Tous ici, Skrillex, et bienvenue dans ce 8e épisode de Let's Play sur Ravenlock. Allez, on continue. Hop, est-ce que je prends la fleur? Oui, je prends la fleur, attention. Oh là là, mon dieu, il y a un boss. Enfin, pour l'instant, c'est des ZAD. Voilà. Ah ben il est là le boss. C'est même pas un boss en fait, c'est juste un gros. Voilà. Là, il n'y a plus le... Ah d'accord, il est là. Ceci doit être la fleur dont parle Alina la grue. Tout ça pour obtenir une plume, quoi. Le chemin. Hop. Très bien. Là, c'est Lotus de Braise, oui. Je vous remercie du fond du cœur, gentille fille. Nous avons maintenant un chemin pour revenir sur cette terre. Avec le temps, nous reconstruirons le labyrinthe dans toute sa splendeur passée. De rien. Et j'ai hâte de voir cela un jour. Très bien. J'ai restauré la déesse endormie. Merci, Ravenlock. Il est noble de votre part de vous joindre à cette bataille contre les ténèbres. Et de redonner l'espoir au labyrinthe. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez en retour? Pourrais-je avoir une plume de grue? Ah oui, vous en avez besoin pour soudoyer Doriot le dragon. Comment le savez-vous? Avant d'accorder votre demande, je dois vous avertir. Il y a le mal qui se cache à l'intérieur de l'antre de la sorcière. Vous devez entrer avec prudence. Si vous réussissez à passer en vie, je vous rencontrerai de l'autre côté. Bonne chance, Ravenlock! Très bien. Pot de vin de dragon. Ok. Bon. Eh bien, troisième défi, ça va être un combat de boss. Hein. Je m'en fiche, je passe. Et je vais prendre une potion. J'ai ce que vous désirez. Oui, mais ce n'est pas suffisant. J'en ai besoin de plus. Le deuxième objet que je désire est un œuf orné de pierres précieuses. Apportez-le-moi et je considérerai de vous laisser entrer. J'ai un œuf orné de pierres précieuses. Une pierre précieuse rare, en effet. Soyez maintenant prêt pour ma troisième et dernière épreuve, car cela peut être une surprise.
C'est un combat. Ok. Bah non, c'est pas fini, j'aurais buté la reine hein, pour finir le jeu. Allez. Et même ce combat... ça pique. Très bien. Aïe. C'est qui pique, hein? Voilà, c'est fini. Les épreuves sont terminées. Vous pouvez entrer. Aidez-moi, sauvez-nous. Non, mais... Sens des âmes. Rebroussez chemin. purée. Sont venus me voir en temps de besoin et je fournirai volontiers pour une petite somme, bien sûr. Dis-moi, petit enfant, qu'est-ce que tu désires? Je voudrais passer par votre grotte. Une si petite demande, ne devrais-tu pas rêver plus grand? Ne désires-tu pas la beauté, le pouvoir? Un prince charmant, je voudrais que vous libériez ces âmes prisonnières. Ah, mais ils sont venus à moi de leur plein gré. Et je les ai aidés avec leur requête mesquine. Donc ils sont à moi. Peut-être aimerais-tu les rejoindre. Cela peut être très libérateur, d'être libre de ton âme. Bon, bah combat de boss là, hein, cible. D'accord. Comment je dois la toucher? Ça pique un peu.
C'est pas les hommes que je vois. Bingo. Alors, je sais pas ce que c'est, mais allez. Hey, elle pique. OK. Allez, on la termine. Très bien, oui, j'ai acheté pour monter à un niveau là. Ok. Très bien, les hommes sont libres. Je sens un pouvoir en toi, je vais débloquer ton potentiel caché. Ah, quatrième... essaye ta nouvelle compétence en utilisant RT. Très bien. Une attaque de feu vers l'avant. Ou bien... Alors déjà... On va aller voir la sorcière pour... grenier de la maison de la sorcière. Et on va prendre le niveau. Et j'ai plus assez. Deux niveaux j'ai pris, très bien. Place des miroirs. Ah, quel soulagement de te revoir, Ravenlock. Merci d'avoir vaincu Shani la sorcière. Il n'y aura plus d'âmes piégées dans cette grotte. Et le labyrinthe s'en portera mieux. Content d'avoir joué mon rôle. Assure-toi de regarder autour de toi et de ramasser tout ce dont tu as besoin. D'accord, merci. Bah là, il y a un levier. Il y a quelque chose ici. De louche ici, pardon. Ça pourrait être utile.
Un levier d'ascenseur, bah oui, bah voilà, très bien. Donc je viens de là, ouais. Hop, c'est tout. Pour l'instant, le labyrinthe, j'ai trouvé un éclat de miroir. D'accord. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais ça va me servir certainement. Ah bah oui. Ce miroir me conduira jusqu'au cerf. Il manque quelques fragments du miroir. Trois sur cinq, ouais. Ok. Très bien. Voilà, très bien. Ouais, très bien joué pour le boss Exo, mais j'ai quand même dû claquer pas mal de potions. Hein. Peut-être que je pourrais essayer de fissurer avec quelque chose. Ok, trouver quelque chose pour sceller les éclats de miroir. De la colle, du miel. Non, d'autres trucs dont je tairai l'existence ici parce que elle n'a que 9 ans. If you know what I mean. Ouais, c'est ça, les boss ici one shot pas. Trouver quelque chose pour sceller les éclats de miroir. Bon, j'ai le levier d'ascenseur, donc je pense que ça va se trouver dans l'horloge. Hop, on retourne là. Salle de stockage du théâtre. Utiliser l'ascenseur, oui. Ouh, ça pue. Attendez, je vois un peu. Bonjour, bienvenue. Excusez-moi. Ici, au musée, nous aimons honorer le grand thé. Le grand thé? Oui, le thé de temps. Le musée du temps est dédié à la préservation des objets d'importance scientifique. Il y a des expositions à chaque étage. Oh, comme c'est intéressant! Je dois avouer que nous n'avons pas eu beaucoup de visiteurs depuis un moment. Depuis que les forces obscures sont à l'œuvre, le temps semble avoir été suspendu. Nous aiderez-vous à briser cet affreux enchantement? Bien sûr. Tirez le levier à chaque étage de la tour de l'horloge pour activer l'exposition. Mais attention, certaines d'entre elles sont devenues très dangereuses. Eh ben on y va, hein. Un dodo mécanique ici.
Ah bah tiens. D'accord. Hop. Allez! Voilà, j'étais un peu... Voilà, très bien. Edward, vous avez bien fait de vaincre ce monstre mécanique. Peut-être souhaitez-vous poursuivre votre visite. Montez au prochain étage. Un pion de dodo. Un jeton pour une exposition autour. Ok. Au pire, j'irai me refaire en potion après, mais pour l'instant, j'ai encore de quoi faire. Bonjour, bienvenue. Cette exposition devant vous est un hommage à l'aviation. On dirait un aigle mécanique. Oui, il a l'air un peu plus violent, lui. Exactement, elle combine le meilleur des deux mondes, l'organique et le mécanique, de la terre au ciel. Il y a tant de merveilles à admirer dans cette créature magnifique. Je crains que cette exposition ne soit légèrement désaccordée. Ça semble sinistre. Oui, mais pour comprendre véritablement le passé, vous devez le revivre. Pourquoi ne pas actionner le levier pour activer l'exposition? Amusez-vous bien. Allez, c'est parti. Oh, qu'il est pas beau! Ok. Allez, voilà, très bien. Ouais, un transformer, c'est exactement Exo. L'exposition était-elle à la hauteur de vos attentes? C'était plutôt intense. Ah, quand on est face aux merveilles de la science, des sentiments d'intensité ne sont pas rares. Heureusement, vos actions ont lubrifié les engrenages de la tour de l'horloge. Et maintenant, vous devez continuer vers le haut. Montez au prochain étage. Très bien. Alors, je vais aller rechercher les potions. C'est dommage qu'il n'y a pas de miroir par ici, hein, mais bon, il y a un miroir ici. Il est là. Hop, maison de la sorcière. Ah oui, je reste appuyé.
Très bien. J'en profite pour faire un petit somme. On peut se faire un troisième boss. Hein. Dans cette tour de l'horloge. Hop. Même les pas sont en cadence avec la musique, quoi. Oh là ! Bonjour, bienvenue. Vous êtes arrivé au dernier étage, le planétarium. Ici, nous suivons le mouvement des objets célestes pour assurer le passage correct du temps. Cet exhibit est en panne depuis un certain temps. Mais vous avez vaincu les monstres ci-dessous et réactivé chaque niveau de la tour de l'horloge. Nous sommes maintenant libres de remettre le temps sur sa course naturelle. Merci, Ravenlock. Je vous en prie. Vous aurez besoin de ce jeton final pour cet exhibit. Je vous laisse faire l'honneur. Ok. Il y a 3 fentes pour les jetons. Très bien. Ah, le temps est de nouveau sur la bonne voie. Merci, Ravenlock. Faire une petite danse. Non, plus proche. Voilà. Bon, ben en fait, j'ai été me soigner pour rien. Pas. Enfin, le temps est revenu. La porte, je l'ouvre pas. Voilà. Merci d'avoir visité le planétarium. Êtes-vous prête à partir? Je peux ouvrir la porte pour vous. Allez, oui. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Ah, quelle vue étonnante. Très bien. Et donc j'ai ma deuxième pièce de... mon deuxième cœur pour le... Oh, salut Ravenlock. Tu as encore fait. Bon travail. Salut Finn. Merci. Avec le Eagle Blade Prime vaincu et le temps de retour, il y a une petite fenêtre d'opportunité. Ou devrais-je dire, porte d'opportunité. Cela vous ramènera dans le néant pour que vous puissiez récupérer une autre relique. Allez-y, dépêchez-vous maintenant. Alors, hop. Vous avez trouvé un haut de forme, d'accord. On va aller voir. Deuxième relique. Deuxième cœur. Un cœur bleu. Très bien. On va vite aller le poser. Oh non, oh non. Ravenlock, vite, suivez-moi. La reine a découvert que nous étions sur cette race. Et maintenant, nous sommes dans de beaux draps. Oula. Ah, Ravenlock, approche maintenant. Tu arrives juste à temps.
Pensais-tu réellement que je ne te trouverais pas? Mon pouvoir s'étend à tous les recoins de ce royaume. Et toi, tu ne me l'enlèveras jamais. Maintenant, j'ai entendu dire que tu me volais. Permets-moi de te rendre l'appareil. Tes amis ici ont des petits cœurs si précieux. Voyons comment ils se débrouillent dans mes cachots. À l'aide, Ravenlock, nous sommes coincés. Et si tu oses revenir pour mon trône, je détruirai tes amis. Un par un. Oh non, tout est de ma faute. Je t'ai amené ici en pensant que cela aiderait. Mais maintenant, ma famille, elle sera exécutée. Ne t'inquiète pas, Finn. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis contente d'être ici. Et je ferai de mon mieux pour t'aider à récupérer ta famille, peu importe ta difficulté. J'ai aussi une famille, chez moi. Et si elle était kidnappée, je ferais tout pour les ramener. Vraiment ? Oh, merci, Ravenlock. Tu as une âme bienveillante. Et je suis tellement heureux d'être ton ami. Très bien, établissons un plan. D'abord, place le cœur d'Eagleblade Prime dans la porte du château. Ensuite, cherche autour de toi tout ce qui pourrait être utile dans la maison victorienne. Ta prochaine destination sera la serre. Allons-y. Donc c'était bien ça. Alors, je vais d'abord danser pour le... Voilà, très bien. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben, mettez un petit pouce en l'air. Si c'est le cas ou pas le cas, peu importe. Mais au moins, dites-moi ce que vous appréciez ou ce que vous n'appréciez pas dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.